Salut à tous, c'est Shirelle. On se retrouve aujourd'hui pour un challenge Sims 4 que j'ai créé en m'inspirant d'une série que j'adore, qui n'est autre que la série Teen Wolf. Je trouve, personnellement, moi qui adore faire les challenges, que là maintenant on tourne un petit peu en rond. Il n'y en a plus beaucoup. Alors il y a les plus connus, bien sûr, mais quand on les a fait, bon, voilà, après ce sont des challenges construction, il y a différents challenges, mais je trouvais qu'il n'y avait pas de challenge avec les loups-garous. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, la série s'adapterait bien. Donc, le temps de mettre tout ça en place, de le tester, etc. Donc, je vous ai fait le challenge Teen Wolf. Cela faisait quelques temps que je n'étais pas revenu sur les Sims 4, hein, du moins en vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. De plus, c'est la première fois que je fais un machinima de présentation. Alors, soyez indulgent avec moi car cela m'a demandé énormément de temps, surtout quand c'est le premier que vous faites. Après, je suppose que ça va beaucoup plus vite. Mais alors, qu'est-ce que ça peut prendre du temps? Il faut vraiment faire scène par scène. Enfin, c'est assez compliqué. Il y a énormément de trucs à faire. Mais bon, avec le temps, on se perfectionnera de ce côté-là. Mais j'attends vos retours en commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez pour un premier machinima. Et soyez sympa parce que c'est vraiment pas évident. Donc concernant le challenge, vous aurez en description le lien avec les règles. J'ai voulu jouer surtout sur le gameplay sans que l'on soit obligé de se soucier de l'argent, de la survie ou tout ça. C'est vraiment sur du gameplay pur. Je l'ai testé, pardon, bien sûr de mon côté avant de vous le présenter. Et je vous assure qu'il y a des choses qui sont demandées dans le challenge qui ne sont pas évidentes, mais je ne vais pas vous spoiler. Au niveau du machinima, vous aurez compris, il y a une jeune fille qui s'est fait tuer. On ne sait pas par quoi, on ne sait pas par qui. Donc, vous aurez ensuite dans les règles un petit prologue qui se passe 3 jours après le décès de Tess que vous avez rencontré dans le machinima. Et vous aurez donc les protagonistes du challenge. Alors, ne vous inquiétez pas, vous allez voir plusieurs famille à faire, il y en a deux ou trois selon vos choix, parce qu'il y aura deux façons de jouer le challenge. Vous le verrez, c'est à vous de choisir comment vous voudrez le jouer. Mais il y aura au moins votre famille à créer et la famille de votre meilleur ami à créer. Après, une autre famille si vous voulez, mais après, vous ne vous souciez que de votre famille. Les autres, vous vous en souciez pas. Ce n'est pas votre problème, vous allez jouer votre propre rôle dans le challenge, mais il faut que vous créez la famille de votre meilleur ami avec votre meilleur ami. Et si vous le souhaitez, vous pouvez, si vous souhaitez avoir une fiancée ou un fiancé, créer sa famille. Et il y a évidemment les explications dans les règles que vous trouverez dans la description. Donc pour ceux qui connaissent la série, ce ne sera pas une surprise. Je suis restée le plus fidèle possible à cette série. Mais effectivement, il y a d'autres protagonistes au fur et à mesure des saisons. Mais alors là, ça aurait fait créer je ne sais combien de personnages différents et dont on n'a pas, si vous voulez, les compétences dans le jeu qui permettent de le faire. Donc je suis vraiment restée, on va dire, au niveau des compétences du jeu, pour ceux qui connaissent la série, à la saison 1, quoi. Saison 1, saison 2. Donc écoutez, je vous laisse donc là. J'espère en tout cas que le challenge vous plaira. Je vous conseille de vous mettre en vie longue parce que ça ne va pas être facile. Mettez-vous en vie longue. Après, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation. La seule chose que je vous demanderai, c'est de ne pas tricher, bien sûr. Et surtout, de ne pas vous réapproprier le challenge. Donc, si vous le faites sur YouTube, n'oubliez pas de mettre le hashtag challenge TeenWolf. Et le hashtag Shirel Gaming, je vous en remercie par avance, et de ne pas non plus le détourner et de vous l'approprier, parce que c'est toujours rageant quand on voit le boulot que ça a demandé se faire approprier par une autre personne en le détournant. Ça arrive très souvent et c'est vraiment, voilà, c'est pour la personne qui l'a créé, c'est frustrant et c'est énervant parce qu'on y passe beaucoup de temps et voilà, c'est jamais plaisant de retrouver le boulot qu'on fait sur une autre personne, cela approprie, voilà. Donc, j'attends vos retours en commentaire, je vous fais de gros bisous, je remercie ceux qui m'ont laissé plein de messages AMP pour mon absence. Oui, ça faisait longtemps que j'étais pas revenue, mais j'avais besoin d'un petit break, d'une petite pause au niveau de Twitch.
et de YouTube dans ma vie personnelle. Donc merci à vous tous pour vos messages. En attendant, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. Et on se retrouve très vite, soit sur Twitch, soit sur YouTube pour d'autres vidéos. Bye bye!